Coucou et bienvenue sur Chai Scrap. Voilà, je reviens vers vous car je suis allée chez Emmaüs. Et oui, on était mercredi et j'ai demandé, mon petit chéri demandait chez Emmaüs. Bon, j'y suis restée, allez, 10 minutes parce que franchement, il faisait trop froid. Et puis, du coup, j'ai trouvé plein de petites choses. Donc, j'ai dépensé 6 euros chez Emmaüs. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mon petit ticket de caisse. Voilà, j'ai dépensé 6 euros. Et je ne regrette pas du tout. Déjà, mes 6 euros sont remboursés en achetant ceci. J'ai trouvé ça. Bah, j'ai sauté dessus parce que je vous mens pas. Regardez-moi ça. 15 euros. Et j'ai trouvé des nœuds. Des nœuds roses. Déjà, je suis déjà remboursée de sur mes 6 euros, largement. Donc après, c'est tout bénef, hein. Alors, on va regarder. Et c'est encore emballé. Et il y en avait d'autres, mais il y avait des bleus, tout ça. Et c'est le même principe que ceux que j'ai déjà en petit. Alors, je les ai pris car je me suis dit, s'ils ne m'en servent pas, en faisant, c'est des trucs de mariage en fait. Mais c'était trop gros et je pense que ça va être trop gros. Oui, c'est des. Ah bah, alors là, je ne comprends rien. En fait, c'est un. Ah, attendez. Ah, c'est un énorme gros nœud. Waouh! Ah bah, alors celle-là, c'est la meilleure. Bon, bah, c'est tout, hein. Mais bah c'est pas grave parce que ce que je vais faire, bah je vais récupérer tout le tulle et puis le truc rose. Alors, on va voir ce que ça fait le gros nœud. Et vous rendez compte le prix que c'est? 15 euros. Ça fait cher quand même, hein. Mais bon, pour un truc de mariage, rendez compte si on devait acheter ça à 15 euros. Bon, c'est sûr, ça fait chouette. Alors, ça fait ça. Mais bon, moi je vais m'en servir autrement. Voilà. Donc je vais récupérer le tulle et la bande qu'il y a au milieu. Voilà. Donc après, j'ai plus qu'à enlever comme ça. J'ai plus qu'à décoller. Le tour est joué. Donc, hop, voilà, ça. Et bien c'est super. Voilà. Donc ça, hop. J'ai eu raison quand même de le prendre. Ensuite, elle m'a fait ceci pour un nœud roux. Enfin bref, je ne vous dis pas tout parce que tous les prix, parce que étant donné que j'ai eu comment tout ceci pour 6 euros en tout. Et là, j'ai trouvé ceci. Un grand morceau. Comme ça. Voilà. Donc, petit bout de fil à découper, mais ça, c'est pas grave. Alors, je sais pas, avec un petit carré comme ça, là, je vais peut-être pouvoir découper les fleurs, faire quelque chose avec le, faire un cadre au milieu. Enfin, je sais pas. Ou je vais peut-être le laisser comme ça et me le garder pour moi plus tard, en cas où. Et vous avez vu, j'en ai un super grand bout. Alors là, je suis contente. Ça me plaît bien. Voilà. Donc ça, trop contente d'avoir tombé dessus. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un petit bout comme ceci. Du coup, on me l'a donné. Voilà. Un petit bout comme ça. Moi, c'est pour moi récupérer les petites fleurs. Là, je vais récupérer les petites fleurs qui sont dessus. Ensuite, j'ai trouvé ce morceau-là. Ça, c'était. Il y en a 2,90 m dedans. J'ai trouvé super beau aussi. Moi, je pense qu'il y a plus de 2 mètres. Oh oui. Oui.
Ils disent 2,90 m. Bon, 3 mètres, oui, d'accord, oui, ils y sont. Il est très joli. Regardez. Voilà. Donc, je l'ai pris aussi. Je suis tombée sur ça. Ben, hop. Je l'ai pris. Ensuite, j'ai pris ça. Là, il y en a 1,75 m. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il est intéressant. Donc, je l'ai pris. Voilà. Là, j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je l'ai pris. Et elle me l'a fait pour 50 centimes. Alors, des petits bouts à récupérer. Enfin, bref, le tout, vous avez vu, j'en ai pris. Donc j'ai eu ça. Ah, et ben regardez. Regardez ce que j'ai trouvé dedans. Et ben voilà. Un petit bout de dentelle anglaise. Focus, please. Voilà. Alors, faut le temps que je m'habitue parce que j'ai changé de truc. Et hop. Et des fois, ça se met pas bien, mais ça va parce qu'il se remet automatiquement. Heureusement, mais bon. Ouais. Mais c'est le temps qu'il faut que je m'habitue. À mon avis, je dois être trop près. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas, je verrai bien. On va bien s'habituer. Voilà. Donc, j'ai pris ceci. Donc, super. Et il y avait le petit bout là. Avec ça, il est trop mimi. On peut toujours faire quelque chose. Il y avait un petit bout, deux petits bouts comme ça. Voilà, comme ça. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Et regardez. Voilà quoi. Ça va me resservir. Et j'en ai un bon bout aussi. Voilà. Donc voilà. J'ai trouvé ceci. Mettre dans un fond de panier ou je sais pas, je verrai. On verra bien. Alors tout ça, tout ce que j'ai trouvé, ben je vais tout passer à la machine. Et après, je repasse tout à chaque fois. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, celui-ci. Et j'ai trouvé ça. Attendez, j'ai trouvé ça. Et ça. Alors, je ne sais pas si je vais le garder comme ça ou si je vais le découper pour faire des fleurs. Mais je pense que je vais le découper. Il est beau, hein? Je pense que je vais le découper. Ça pourrait faire pas mal, ça ferait des belles fleurs. Vous avez vu? Et ça m'en ferait pas mal. Donc hop, au lavage, on verra. Et j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé deux trucs. Super. Alors j'ai trouvé un petit mannequin, comme ça, en bois. Il est tout en bois. Donc bah, j'étais contente. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être que je vais le customiser, je vais l'habiller, je vais... pourquoi pas? Je me suis dit, tiens. Je vais prendre ça m'intéressait. Pourquoi faire, je ne sais pas, mais bon. Je l'ai pris quand même. Voilà. Et j'ai trouvé ceci. Alors, c'est un petit sac. Voilà, qui se présente comme ceci. On l'attache comme ça. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Quand on part en vacances ou n'importe quoi, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, il est un petit peu abîmé là, mais c'est pas grave, je vais le refaire moi. Et puis je me suis dit pour mettre des petites choses, c'est pas mal. Donc voilà mes petites trouvailles. Donc tout ça, hop, je mets tout ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Je vais aller passer tout ça en machine.
Voilà, et ça, je vais le dépioter. Et le tour sera joué. Voilà, voilà. Et ben, vous avez vu, pour 6 euros, j'ai trouvé quand même tout ça. Donc, je remonte le ticket de caisse. Voilà. 6 euros. Ben, je suis bien contente. Donc, voilà mes petites abonnées pour mes petites trouvailles chez Emmaüs. Et je n'ai passé que. Allez, top chrono, j'ai passé 10 minutes. Oui, parce qu'il faisait froid. Parce que nous, ici, on a quand même. À 4h30 de l'après-midi, on avait déjà moins 2. Non, 0. Et là, quand je suis rentrée à 20h, il y avait moins 2 déjà. Donc, vous voyez, il va faire encore froid chez moi ce soir. Voilà, voilà. Donc, bah, c'est pas grave, hein, c'est le temps d'hiver. Hein, on est en hiver. Hein, voilà, voilà. Donc, et bah, écoutez, sur ce, mes petites abonnées, je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sunny Scrap. Bisous, bisous, mes petites abonnées. Bisous, bisous.